la maison. Vous êtes avec Myriam Larouchté pour le blog de Best Buy. Avez-vous envie de retrouver votre énergie, de faciliter votre réveil le matin ou encore, pourquoi pas, enrayer vos douleurs musculaires? Eh bien, j'ai testé pour vous deux produits de la compagnie Beurer Germany. Ces deux produits sont devant moi à l'heure actuelle. J'ai une lampe de luminothérapie ainsi qu'une lampe de thérapie par infrarouge. Tout d'abord, je tiens à vous dire que personnellement, j'utilise depuis plus d'une quinzaine d'années une lampe de luminothérapie, surtout en hiver. Par exemple, je l'utilise en moyenne une heure et demie tout au long de la saison hivernale, mais je continue quand même en plein été à l'utiliser peut-être une demi-heure par jour. Comment qu'on utilise une lampe de luminothérapie? C'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est à, bien sûr, la brancher à une fiche murale et appuyer sur le bouton. La luminothérapie aide à certains niveaux. Bien évidemment, ça l'aide à recréer le soleil, donc énergiser votre quotidien, trouver une bonne motivation et en même temps, c'est prouvé scientifiquement que ça l'aide au niveau, bien sûr, des hormones lorsque c'est utilisé, bien sûr, en physiothérapie, en complément, bien sûr, à un bon régime de santé. Ça recrée le soleil. Donc, si vous l'utilisez le matin en vous levant, comme moi, c'est ce que je fais, c'est que je la dépose toujours à côté de mon écran d'ordinateur. Je débute ma journée et j'ouvre, bien sûr, ma luminothérapie. Si vous le faites toujours à la même heure, soit en prenant votre café et en lisant votre journal le matin, vous aidez votre cycle circadien, bien évidemment, à s'auto-régulariser. Donc, il y a beaucoup de bienfaits à la luminothérapie. En plus de retrouver une bonne humeur et une énergie, vous pouvez aussi vous éveiller en étant beaucoup plus énergisé et beaucoup plus souvent à des heures stables et fixes grâce à la luminothérapie. En plein hiver, en plus, ça l'aide à enlever le fameux blues hivernal en recréant dans le fond l'apport de soleil qui est réellement manquant, surtout dans le mois de décembre. De l'autre côté, je voulais vous parler de la lampe de thérapie par infrarouge. Qu'est-ce que les infrarouges? En fait, ce sont des signaux chauds qui sont émis par une lampe. Sachez-le, ce n'est pas dangereux pour votre peau. La chaleur émise ne va pas la brûler au niveau cutané et ça ne vous fait pas bronzer non plus. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà posé la question, vous ne bronzerez pas. Si vous l'utilisez au niveau du visage, ça serait peut-être bien quand même de mettre les petites lunettes qui viennent avec la lampe par infrarouge de thérapie musculaire. Donc, avec cette lampe chauffante infrarouge, peut-être mettre les petites lunettes quand vous voulez faire votre visage. À quoi ça sert? Premièrement, encore une fois, je trouve que c'est un super de beau combo pour l'hiver. La chaleur émise, si je pouvais vous la faire ressentir à la maison, c'est très chaud, c'est enveloppant et c'est surtout relaxant. Donc après une grosse journée de travail, si vous voulez vous sentir un petit peu plus enveloppé, ça peut être une bonne idée. Mais essentiellement, les infrarouges sont utilisés en, bien sûr, en thérapie sportive par beaucoup d'athlètes professionnels pour pouvoir justement aider à relaxer le muscle après, bien sûr, un entraînement ou des fois pour des blessures également. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le dos, les épaules, vous pouvez aussi l'utiliser pour les jambes. Bref, toutes les portions de votre corps peuvent vraiment être utilisées. C'est 300 watts de puissance, donc c'est quand même assez chaud. Donc, il faut faire attention de ne pas aller toucher la devanture lorsqu'elle fonctionne. Il y a un minuteur d'ailleurs intégré qui vous permet de vous assurer que vous ne brûlerez pas trop longtemps la lampe à l'intérieur. Elle est bien sûr synchronisée à 15 minutes et c'est le temps réglementaire pour pouvoir faire en sorte de relaxer vos muscles en douceur et bien sûr avec l'élément chauffant, vous pouvez également l'écran la faire pivoter pour pouvoir vous aider. Donc, si vous voulez la mettre en anglais comme ça, vous venez faire peut-être plus plutôt le visage, vous pouvez la mettre aussi en ligne directe pour le dos et bien sûr, il n'y a aucun UV à l'intérieur, il y a une protection contre les UV comme je le mentionnais ultérieurement. Alors moi, personnellement, même en été, je vais continuer à utiliser ma lampe de luminothérapie. J'aime beaucoup ce modèle-ci qui vient en plus avec une petite enveloppe de transport, donc idéale pour pouvoir la mettre dans votre valise, dans votre sac et l'amener au bureau également. Elle est extrêmement mince, très compact et vous pouvez aussi l'angler, donc la mettre même sur le côté si vous voulez. Pour la lampe chauffante par infrarouge, peut-être la conserver à la maison, elle se déplace un petit peu moins, mais en même temps, c'est vraiment très confortable à utiliser, surtout en venant du travail à la maison. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes de ces deux produits de la gamme Beurer, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison!